Ah, gambana khorom ora khakuni la khanta yo oy lekata ya nya fami khakure fetumnge khala khawa khiya domi finalement so ndialo sare dingrangen ni mauritani debe beto ngeni goynitsa yo lenki odo akhibe gere kat khaya modo khirso khore be ket kat khaya ya gim sankuro jo sosenin kamagili duna bangi o bangi yo tatugo narti yo mauritani remengo tu senegal remengo tu gambire remengo tu aro kumetani yo soninkana mandele yobani e soninkara biblioteki e soninkal lemenso hajuntenga ya agui soninkal lomundanga e yagonga e amajirinten togomugo amajirinten warken togonya kama togomu kare ndoktunga na bonya ya akikem sanko ado ofaveke kengeni droit de l'homme chrétien yo soninkara droit de l'homme chrétien kena soninkal lemeni mori aga sikido soron haqe wala meti fon trini yo xina wori ser tolonte aga soninka lomu haqqin to aga soninka dakkani mula aga ewini soninka lomu ndanga iya khonga kengeni e dikko hanun yo osusuwotu agol nyan kitengen kebe nan sigido seren haqqinga gilli iganan kuma haqqunga yo osudwori mauritani no ado kebe gamme yo wala en fait oda asafan kite yo gali kata khaileki sonin kallo mon susuna terinka mauritan ro mon susuna terinka arangalanta e akhrangana anna terinka ga kebe kono yo ayimi digan kanu fe asafan kite nyan odo kunyal En Mauritanie, le régime brandit les lois que s'il faut arrêter les opposants qui gênent les extrémistes. Racistes et terroristes, faux généraux morts, nos institutions sont piétinées. Sabotées pour faire plaisir aux extrémistes racistes. Rien ne peut justifier la détention arbitraire, la prise en otage et séquestration du député Biram Dabeid. Même les dirigeants de l'Assemblée nationale qu'on nous présente comme les élus qui représentent le peuple obéissent aux doigts et à l'œil des aigris faux généraux morts qui sèment la haine, la division, la terreur et le mépris. C'est une honte publique de parler de la démocratie en Mauritanie. Quand un élu n'est plus libre d'exprimer ses idées, ses positions indépendamment, comment peut-il représenter, voire défendre l'intérêt du peuple à l'intérieur comme à l'extérieur? À quoi bon d'être élu si on n'est même pas capable de dénoncer une injustice au sein d'une institution soi-disant démocratique qu'on devrait représenter, défendre et respecter? Est-ce que l'élection d'un Ould Abdelaziz est plus légitime que celle d'un Biram Dabeidou? Quelqu'un d'autre? Cette soi-disant majorité du PR est-elle sûre de sa légitimité électorale? N'est-ce pas un aveu public que l'élection des députés de la dite majorité n'est pas transparente? Par peur de représailles, ils ne sont pas libres de leurs décisions ni choix. En quoi l'élection d'un député UPR serait-elle plus légitime que celle d'un opposant? Pourquoi les députés ne sont pas capables de trancher sans obéir aux ordres et injonctions militaires? On est en face d'une assemblée nationale mauritanienne où pour avoir le moindre droit, il faut être absolument issu des élus UPR du régime. Comment peut-on parler de démocratie? Dico Anoun. En Mauritanie, le régime brandit les lois que s'il faut arrêter les opposants qui gênent les extrémistes.
Racistes et terroristes, faux généraux morts, nos institutions sont piétinées, sabotées pour faire plaisir aux extrémistes racistes. Rien ne peut justifier la détention arbitraire, la prise en otage et séquestration du député Biram Derbeid. Même les dirigeants de l'Assemblée nationale qu'on nous présente comme les élus qui représentent le peuple obéissent au doigt et à l'œil des aigris faux généraux morts qui sèment la haine, la division, la terreur et le mépris. C'est une honte publique de parler de la démocratie en Mauritanie. Quand un élu n'est plus libre d'exprimer ses idées, ses positions indépendamment, comment peut-il représenter, voire défendre l'intérêt du peuple à l'intérieur comme à l'extérieur? À quoi bon d'être élu si on n'est même pas capable de dénoncer une injustice au sein d'une institution soi-disant démocratique qu'on devrait représenter, défendre et respecter? Est-ce que l'élection d'un Ould Abdelaziz est plus légitime que celle d'un Biram Derbeid ou quelqu'un d'autre? Cette soi-disant majorité du PR est-elle sûre de sa légitimité électorale? N'est-ce pas un aveu public que l'élection des députés de la dite majorité n'est pas transparente? Par peur de représailles, ils ne sont pas libres de leurs décisions ni choix. En quoi l'élection d'un député UPR serait-elle plus légitime que celle d'un opposant? Pourquoi les députés ne sont pas capables de trancher sans obéir aux ordres et injonctions militaires? On est en face d'une assemblée nationale mauritanienne où pour avoir le moindre droit, il faut être absolument issu des élus UPR du régime. Comment peut-on parler de démocratie? Diko Hanoun. Yo Kiani, Gambana ku soninkara fede. Yo kadike tegiskrape kasapeori. Yo agigiru owahinga kengeni Diko Hanoun. Soninkalomu biblioteki abegui yahonga nanti soninkara ka developen kamuro e Mauritani ka developen kamuro Afrika ka developen kamuro. Yo o fabe ke o tina lagano o da su praji yo sonin kara mandelani ya amma wuri tanya ke ken to ken to nya xamma nyangol ngori ken gare ndo khutunga na ko nya yo kwani sonin kara dag kani mulla yo kha kube ga khangin ho wululum kar ko ngale inandi gam don yo nati bravo kebegui Mauritani romunda iyago nanti Mauritani kha developen kamoro yo oswa sigrantu gilli Mauritani noko katti sonin kara katti fulara katti sirako noko nga yo paski Mauritani remenyani yo khanuku nagatu besuga kongeni Mauritani ayusu mulla abu Mauritani takkani mulla yo ken onati bravo sonin kara Mandela. Merci, on a parti.